Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Train Sim World 2, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons aller en Angleterre aux commandes de la classe 465 en livret Network. Voilà, nous allons aller faire un petit trajet histoire de se faire plaisir. Donc c'est parti les amis. Allez, on passe tout ça. Et nous allons aller sur la Southern High Speed. Et nous allons aller faire un horaire aux commandes de la classe 465. Bon, allez, on va changer de livret. On va prendre celle-ci, la Network. Continuer. Ouais. Journée ensoleillée de printemps. On va peut-être rajouter un tout petit peu de nuages. Ouais, on va rester comme ça, hein. Tac. Alors, à quelle heure on va partir? J'aimerais bien partir le matin assez tôt. Moi, j'aime bien, surtout au lever de soleil. Pourquoi pas 6h13? Allez, hop, c'est parti. Donc, j'espère que l'enregistrement de la vidéo sera correct, hein. J'ai changé de logiciel de capture. Je suis en train de capturer avec Action Merelis. Voilà, petit coucher de soleil qui va bien. Alors, ok, on va mettre la clé en fonction. L'inverseur. Nous allons ouvrir nos portes. Nous allons mettre ici, activer la AWS. On la quitte. Et ici, on va mettre. Bah, normalement, ça c'est le DSD. Hein. Ouais, normalement, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos feux. Position de jour. On va activer le régulateur de vitesse à 30 miles. Ouais, pas trop haut non plus. Ici, voilà. Pour que ça fonctionne. On doit faire ça. On attend le départ à 6h14 et 30 secondes. Donc voilà, à bord de la classe 465. Allez, je vais enlever la HUD là. Je vais vous faire voir un petit peu cette belle rame. Magnifique. Regardez-moi ça comme c'est joli. Allez, nous remontons à l'intérieur. On va regarder. Allez, on va bientôt partir. On va pouvoir fermer les portes. Fermeture des portes. On appuie sur le petit signal. Voilà, j'ai rien oublié. Allez, je me positionne bien au vu de la caméra. Et c'est parti, les amis. Donc, j'espère que vous m'entendrez correctement. Et que le son du jeu ne sera pas trop fort. Donc, prochain arrêt, prochaine station, Eggman, quai numéro 2, 6h20. Alors, j'espère qu'on sera dans les temps. Alors, on se met en roue libre. On va pouvoir accélérer juste après. Vitesse 50 miles. On va vers le petit panneau sur la gauche. Allez, on croise. Une 395. Et là, on va pouvoir accélérer. Moi, j'aime bien rouler comme ça le matin, très tôt, hein, avec le lever de soleil, même le soir. Je trouve que c'est agréable. Moi, ça, ces petits reflets sur la raille. Je vais ralentir un peu là. Vitesse 70 miles, juste après. Ah, c'est magnifique, hein, ce lever de soleil. J'espère qu'on va pas être trop ébloui.
Bon, ça passe, hein. Magnifique quand même, hein. Bonne petite vitesse de pointe, juste ce qu'il faut. Magnifique paysage, campagnarde. Ça nous indique un changement de voie. Je ne sais pas si normalement on va avoir une restriction de vitesse un peu plus loin là-bas. C'est beau quand même, regardez-moi ça, magnifique. Nous arrivons, on arrive bientôt, on est dans les temps. Alors on va s'arrêter ici. Voilà. Ouverture des portes. On va faire une petite vue extérieure. Désolé pour la caméra. On va se mettre comme ça. C'est quand même joli quand même. Bientôt fermer les portes. Hop, le verrouillage des portes. Allez, on se met à l'intérieur. On va mettre nos feux de nuit. Voilà.
Prochaine station, Stroud, 2,2 miles. Restriction un peu plus loin. Normalement, si je me trompe pas. J'ai dit 15 miles juste après la sortie du tunnel. On va commencer à ralentir un tout petit peu. On aura un changement de voie un petit peu plus loin. Allez, on va arrêter ici. Ouverture des portes. Toujours les problèmes avec les caméras, c'est un peu embêtant. Des bugs, comme vous pouvez voir. Franchement, je sais pas. J'espère que DTG va corriger ce petit souci là, parce que c'est quand même un peu bizarre. Allez, verrouillage des portes. Alors, Rochester. C'est parti. On n'oublie pas 15 miles.
Allez, c'est reparti. Le petit signal. On va rentrer dans un tunnel. On prépare nos feux. Allez, c'est reparti. Prochain arrêt, Gillingham. Toujours à 30 miles.
Vitesse 50 miles. Je me trompe de bouton, ça va peut-être pas le faire. Hein. C'est reparti. Prochain arrêt à Renham. Toujours 60 miles. Le régulateur a fait son taf là, j'ai pas besoin de toucher à la traction là. On va remonter en vitesse. On arrive dans 1,7 miles.
restriction de vitesse. Vingt-cinq miles, voilà. On va bien se mettre au niveau du butoir. Et voilà, ouverture des portes. Toujours embêtant, ces vues de caméra là. C'est un peu chiant, je vous l'avouerai. Voilà les amis. Voilà. Bon bah écoutez, on termine là. Cette vidéo qui aurait duré à peu près une petite demi-heure. Voilà les amis. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 2. Je vais me bouger parce que lui va m'entrer dedans là. On va avancer un peu. Voilà. Donc. Je disais donc que je vous remercie toujours hein, pour les nouveaux arrivants. Nous sommes à 200 abonnés, voilà. C'est quand même, bon c'est pas non plus énorme, mais bon moi ça me fait quand même très très plaisir. Pardon madame. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. Je vous dis à une prochaine. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aux nouveaux abonnés qui si jamais ils arrivent, donc les nouveaux arrivants, n'oubliez pas la petite cloche de notification pour voir s'il y aura du nouveau contenu qui arrivera sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis à très vite les amis et on se dit à une prochaine. Salut salut.